11 mois après son assassinat, Massimo Susini est toujours au cœur du débat. Sous un soleil de plomb et dès les premières minutes de l'échange, le collectif exprime sa révolte devant la presse. Aujourd'hui, on veut nous entraîner dans cette histoire de ce cliché, ce stéréotype. Ah, ça y est, la guerre entre deux familles a démarré, etc. On attend le prochain assassinat. Mais c'est putride, ça pue, c'est... Ce type d'argumentaire n'a aucun sens. À l'origine de cette indignation, une bataille à coups de communiqués entre le collectif Massimo Susini et la famille Carbogne. Alors que le collectif antimafia s'était fait discret ces derniers mois, l'assassinat de Tony Carbogne le 12 août dernier à Haute attise le souvenir de la mort de Massimo. L'appel à l'apaisement viendra du père de ce dernier ainsi que de la famille Carbogne dans un communiqué publié il y a 4 jours. Notre cri de douleur a été transformé et mal interprété. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que la mémoire, la vérité et la justice soient les piliers sur lesquels puisse se construire la Corse de demain. Une forme d'apaisement dont la région de Cargèse a tant besoin. Ici, chaque rue porte encore le nom ou le visage du nationaliste assassiné le 12 septembre 2019. Sa paillote a quant à elle fait l'objet d'une tentative d'incendie le 7 août dernier. Dans ce contexte, les membres du collectif ont donc tenu à rappeler leur raison d'être. Lutter contre la mafia en Corse en continuant de proposer, comme nous l'avons déjà fait, aux élus et à l'État, des moyens nouveaux et adaptés pour se débarrasser d'un péril à l'ampleur tentaculaire. Pour détruire la mafia, il faut assécher les sources de financement par les voies légales, il faut confisquer les biens de manière préventive et il faut pouvoir entrer dans leurs équipes. C'est en entrant à l'intérieur du système qu'on peut le faire imploser. Autrement, c'est perdu d'avance. Le collectif devrait être reçu par le procureur général Jean-Jacques Fanny dès le mois de septembre pour discuter d'un projet de loi anti-mafia. Une grande première en Corse.